Bonjour, bonjour à tous. Merci à ceux qui sont là physiquement dans cette session du printemps de l'économie. Merci aussi à ceux qui nous regardent à distance sur leur ordinateur ou sur leur téléphone. Cette session, elle me plaît beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elle a un titre profondément philosophique. Alors déjà, ce printemps de l'économie a un titre qui invite à une réflexion assez profonde, puisqu'il s'agit des bifurcations. Mais là, notre session, elle pose vraiment des questions. Elle dit, choisir, c'est renoncer, mais renoncer à qui ? À quoi ? Alors, je me permets de me présenter la première et ensuite, bien sûr, je présenterai nos invités. Je m'appelle Sophie Guérardi, je suis journaliste. J'ai été journaliste dans beaucoup de titres de la presse écrite, de la presse économique aussi. Mais je travaille aujourd'hui pour un site qui mélange la philosophie et l'économie, qui s'appelle philonomiste.com. C'est la raison pour laquelle je me sens très à l'aise avec cette question philosophique du choix et du renoncement. Et j'ai cherché parmi les grands économistes ceux qui sont également des philosophes. Et j'en ai trouvé un, pas des moindres, qui s'appelle John Stuart Mill, qui a été un grand auteur de l'économie politique, puisqu'il a écrit en 1848 des principes d'économie politique, et il a aussi été un grand philosophe de philosophie morale et politique. Car il fut un temps où l'économie et les sciences morales et politiques n'étaient pas effectivement distinctes. Alors, je vais faire un exercice qui ne se fait d'habitude pas autrement qu'à la radio ou sur France Culture, qui est de lire quelques lignes de ce philosophe qui nous parle précisément du thème d'aujourd'hui. Je vous prie d'excuser cette lecture. Voici ce que dit John Stuart Mill. « Celui qui choisit lui-même sa façon de vivre utilise toutes ses facultés. » L'observation pour voir, le raisonnement et le jugement pour prévoir, l'activité pour recueillir les matériaux en vue d'une décision, le discernement pour décider et, quand il a décidé, la fermeté et la maîtrise de soi pour s'en tenir à sa décision délibérée. Impressionnant, non ? Quels hommes, quelles femmes que ces hommes qui sont capables de mettre en jeu toutes ces qualités intellectuelles. Mais ce qui est intéressant dans ça, qu'est-ce que nous dit Stuart Mill ? Il nous dit, au fond, tous les choix ne se valent pas. Un choix, c'est une vraie discipline intellectuelle. C'est pas n'importe quoi, un choix. Et une fois qu'on a dit ça, donc ce ne sont pas que des êtres extraordinaires, sortant du lot, qui sont amenés à faire des choix, et des choix délibérés. Mais la question qui se pose, c'est de savoir, au fond, à quoi ça sert ? Eh bien, voilà ce que nous dit John Stuart Mill. Finalement, cette personne qui aura fait un tel choix, quelle sera sa valeur relative en tant qu'être humain ? Ce qui importe réellement, ce n'est pas seulement ce que font les hommes, mais le genre d'homme qu'ils sont en le faisant. Alors, après cette introduction, ça nous amène à parler avec nos invités des choix qu'ils ont eu à réaliser dans leur propre vie et comment ils les ont fondés intellectuellement, à quoi ils ont dû renoncer ou pas. Ou peut-être que certains choix, ils les ont faits justement pour ne pas avoir à renoncer à quelque chose d'autre. Et donc, je pense que la discussion, elle va être assez passionnante. Et on a décidé de rester plutôt dans le domaine des choix individuels et des choix de la stratégie de la décision, plutôt que de parler des choix collectifs, qui auraient été une autre possibilité dans ces périodes préélectorales. Alors, je vais vous présenter nos invités en commençant par Tawich Tiwi, qui est président fondateur et dean
d'Ivan City, qui est une école extrêmement innovante qu'il a lancée le 13 mars 2020, je crois, sans du timing. Mais bon, il a battu le virus parce que son école est toujours là, tandis que le virus, espérons-le, s'éloigne. Tawhid Chtioui est vraiment un spécialiste en sciences de l'éducation, mais au plus haut niveau. Il a étudié à Harvard, il est docteur en sciences de gestion, et je pense qu'il aura vraiment des choses très intéressantes à nous dire. Ici, tout de suite à ma droite, Bénédicte Tilloy. Je pense que, sans le savoir, chacun de nous a été transporté par Bénédicte Tilloy, puisqu'elle a travaillé pendant 27 ans à la SNCF. Et elle a été au COMEX, au comité exécutif, elle a été DRH, et elle a été dirigeante du Transilien. C'est en ce sens que je pense qu'elle nous a tous peu ou prou transportés. Et elle va nous raconter les choix assez décoiffants qu'elle a faits et qu'elle a racontés dans un livre paru récemment, au début de cette année, qui s'appelle « La Team, le jour où j'ai quitté mon COMEX pour une start-up » du NO 2021. Et enfin, nous commencerons d'ailleurs par elle, Isabelle Barthes, qui est ici presque comme chez elle, puisqu'elle a travaillé dans cette belle institution. Isabelle Barthes est professeure d'université, chercheuse en sciences du management. Donc, elle était à l'école de management de Strasbourg. Elle est l'auteur d'une douzaine d'ouvrages, parmi lesquels « Je choisis », ce qui m'oblige à renoncer, à en citer quelques-uns, « Manager la diversité, de la lutte contre les discriminations au leadership inclusif » du NO 2018, et avec son complice, le philosophe Yann-Hervé Martin, avec qui nous avions une session l'année dernière au printemps de l'économie, « La comédie de la vie au travail et ailleurs » d'Éclée de Brouwer 2017. Voilà, après ces petites présentations, je vais me tourner tout de suite vers Isabelle Barthes pour lui demander un peu de poser le problème. Finalement, choisir, c'est renoncer. À qui, à quoi? Mais à quoi rime cet exercice? Alors, j'ai voulu... Je t'ai proposé cette session que Pierre-Pascal Boulanger et le comité scientifique a accepté parce que je pensais que quand on est lycéen, on a surtout un public de lycéens, mais c'est valable après tout au long de la vie, on est abreuvé de cours sur des « on », des institutions, des grands courants, des théories. Et on l'a bien vu au cours de cette journée. Il y a l'OFCE, il y a le multilatéralisme, il y a les grands choix stratégiques. Mais derrière, on a donné des noms de Biden, de Trump, de Macron, de Mills. C'est-à-dire que derrière toutes les institutions, toutes les grandes décisions, il y a qui? Il y a des hommes et des femmes. Et potentiellement, dans cette salle, il y a peut-être des personnes qui vont transformer le monde, ou derrière les écrans qui nous écoutent, qui vont transformer le monde, parce qu'ils vont prendre des décisions lourdes de sens pour eux, bien évidemment, mais peut-être aussi lourdes de sens pour leur groupe, leur entreprise, et pour la société en général. Et la notion de décision, je trouve qu'elle est intéressante aussi à regarder, la notion de bifurcation, la notion de choix, par rapport à la personne. Alors, les sciences économiques s'intéressent au macro. Hein. Les sciences de management, de gestion, dont je suis, moi, chercheuse, s'intéressent aux individus, aux personnes. Et les psychologues, les psychanalystes s'intéressent même à ce qui se passe encore plus dans la tête. Et c'est là où je voulais qu'on en arrive, c'est-à-dire comment on prend une décision. Alors, il y a un grand théoricien de la décision en management qui est Herbert Simon, qui a dit un truc mais tout à fait étonnant il y a quelques décennies déjà. En étudiant la façon dont les dirigeants prenaient des décisions dans les grandes entreprises, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que ce n'était pas du tout rationnel. Ils étaient abreuvés d'informations, on leur donnait des courbes, on leur donnait plein de chiffres, des statistiques, puis en définitive, ce n'était pas suffisant, ils n'avaient pas le temps d'en prendre connaissance, certaines étaient complètement biaisées, et en fait, beaucoup de décisions sont prises à l'intuition, ce qu'on appelle la rationalité limitée. Et ça, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Et quand vous regardez des récits de vie de grands personnages, de personnes qui ont fait des choses extraordinaires, mais des chanteurs, des acteurs, on se rend compte que des décisions étaient prises, certes, de façon avec de l'information, de la rationalité, mais surtout beaucoup avec de l'intuition et puis de l'opportunité. C'est Napoléon Ier, quand il voulait recruter un général d'armée, il avait une question, il disait « Est-ce qu'il a de la chance ?»
C'est-à-dire cette capacité à saisir à un moment le destin, à saisir quelque chose qui nous attrape et qui nous permet de faire un choix. Alors, quand on dit renoncer, je crois que c'est important parce que quand vous venez ici, on vous a demandé de vous asseoir dans cette salle, ou vous avez peut-être choisi de venir dans cette salle, mais vous avez renoncé à aller boire un verre avec vos camarades à l'extérieur. Vous avez renoncé peut-être à rentrer chez vous. On renonce toujours à autre chose. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on renonce à quelque chose, à aller boire un verre à une terrasse, mais on renonce aussi à qui je suis dans quelques instants. Vous ne serez pas tout à fait le même si vous aviez été à la terrasse ou quand vous aurez assisté à cette conférence, parce que vous n'auriez pas eu les mêmes interactions, pas les mêmes dialogues, pas les mêmes informations. Donc dans chaque décision qu'on prend, en effet on bifurque, c'est le nom de notre session, mais on n'est plus tout à fait le même par rapport à celui qu'on aurait été peut-être en prenant un autre chemin. Et ça, ça m'intéresse beaucoup de le voir et de l'entendre. Voilà, c'était un peu la raison d'être, c'est un mot que j'aime bien et qu'on emploie beaucoup, de cette session, pour ramener les choses aussi à l'essence même de l'être humain, ce renoncement ou ce choix, selon la façon dont on regarde la pièce, hein, le côté plus clair, le côté plus obscur, et qui font qu'on va ne pas être des êtres déterminés, même s'il y a des théories qui nous expliquent, comme la théorie de l'engagement, qu'en fait, on est souvent quelqu'un qui est engagé par les actes précédents, mais on y reviendra peut-être, mais qu'on est aussi des hommes et des femmes libres de nos destins. Oui, voilà, j'ai oublié de vous donner la référence du livre dont je vous ai cité un extrait, qui est « De la liberté ». De John Stuart Mill. Et effectivement, alors je vais me tourner maintenant vers Tawich Tiwi, qui va nous raconter un peu comment il s'est lancé dans une aventure finalement assez extraordinaire, parce qu'on se demande qui a fondé Harvard, qui a fondé la Sorbonne. On a une vague idée, c'est il y a longtemps. Et puis des gens qui peuvent fonder eux-mêmes une grande école en quelques mois, ben, c'est pas si fréquent que ça. Et il va nous raconter. Comment il a fait et d'où partait cette décision. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, on est amené à faire des choix dans sa vie. Et je pense que le verbe choisir, c'est l'un des verbes les plus puissants que je connaisse, avec éduquer et apprendre. Et c'est déjà une chance de pouvoir choisir. Je pense que c'est très important de le dire parce que certaines personnes n'ont pas le choix parfois. Et se rendre compte qu'on a la possibilité de choisir, c'est important. Ça veut dire que c'est une chance, c'est un confort qu'on a, que certains n'ont pas. Donc il faut aussi saisir cette possibilité de pouvoir choisir. Évidemment, derrière, on choisit quoi, quel type de décision, comment on le fait. Ça, c'est des variables et des aspects qu'on va développer au fur et à mesure de sa vie et puis qui vont nous permettre de structurer une façon de décider et de construire son chemin. Moi, j'étais depuis plusieurs années, à peu près une vingtaine d'années, à œuvrer dans différentes grandes écoles en France et à l'international, avec des positions plutôt confortables. Je suis dans ma passion, je ne suis pas dans mon métier. J'ai jamais eu l'impression de travailler parce que ce secteur-là me passionne. Et ça, c'est une chance considérable aussi que j'avais. Et j'étais dans des positions plutôt confortables où je suis arrivé à 40 ans à diriger une grande école parmi les meilleures écoles en Europe. C'était mon objectif à 45 ans, j'avais 5 ans d'avance. Et je me retrouvais dans une situation où mes convictions, ma passion, ce pourquoi j'œuvrais depuis plusieurs années, n'étaient plus compatibles avec une certaine gouvernance, une certaine façon de faire. Et c'était un choix extrêmement important que je devais faire, de dire est-ce que je continue avec tout le confort qu'il y a derrière, en termes de position, en termes d'objectifs atteints, ou effectivement il faut garder, renoncer à ça, et puis suivre plutôt ses convictions, suivre plutôt ses valeurs et sa façon de voir les choses. Et c'est un choix qui n'est pas facile, qu'il faut faire à un moment ou à un autre, mais qui a été structuré aussi par des choix antérieurs qui m'ont permis de choisir et de faire des erreurs et d'accepter de renoncer à un certain nombre d'éléments. Et j'ai fait ce choix-là donc pour partir et d'essayer de construire un chemin qui est un peu différent, qui est un chemin beaucoup plus incertain, parce que l'entrepreneuriat est en temps de crise. On a décidé de se lancer le premier jour du confinement.
dit on avait un peu de temps, donc on va essayer de construire un objet nouveau. Et avec toute l'incertitude qu'il y a en matière de financement, en matière de conditions, en matière de construction, parce qu'il y avait un bâtiment à bâtir aussi. Et on a fait ce choix-là. Et aujourd'hui, on est très, très content de nous retrouver dans une situation où l'école démarre avec plutôt un succès super intéressant, dans un objet, enfin, autour d'un objet qui est l'intelligence artificielle, qui est très nouveau et porteur. Et avec, voilà, surtout des convictions et une façon de faire l'enseignement qui correspond à mes valeurs et ma conviction. J'ai renoncé à un certain nombre de conforts, mais j'ai choisi aussi de suivre mes convictions et mes valeurs, et puis ma vision de construire un projet éducatif. Évidemment, quand on fait ces choix-là, on doute. On peut douter, on peut avoir peur, parce que ce n'est pas évident, même si on a un peu d'expérience. Mais ce qui est important dans ces cas-là, c'est aussi de savoir s'entourer, c'est de bénéficier d'un capital confiance et amour, en particulier de mes parents, qui est considérable et qui a toujours été là pour pouvoir m'aider dans ces choix-là et avoir confiance et persévérer. Je me rappelle très bien que j'ai dû faire un choix aussi très jeune, à 15-16 ans, parce que comme tous les jeunes, j'étais passionné de foot et je jouais le foot plutôt à très 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 bon niveau à 15-16 ans. Mais je me voyais voilà, à faire des entraînements tous les jours, à commencer à avoir des compétitions avec tous les week-ends, rentrant un peu fatigué. Et j'avais mes études en parallèle et je savais que la seule chance que j'avais pour accéder aux études que je souhaitais, c'était de réussir, mais avec excellence, pas dans la moyenne, parce que je n'avais pas les moyens de payer des grandes écoles et il fallait obtenir une bourse d'excellence. Et j'ai dû renoncer à ma passion à 15-16 ans. C'est pas évident, parce que quand on est passionné et qu'on n'a pas forcément une vision du monde professionnel et puis de sa carrière dans 30 ou 20 ans ou 40 ans, bah on renonce à sa passion, mais avec, en disant OK, parce que je sais ce que je veux faire dans l'avenir et c'est le seul moyen qui va me permettre de bien réussir. Et c'est ça qui va nous forger un caractère et qui va nous aider à un moment ou à un autre de faire des choix. J'aurais pu me tromper, mais c'est pas grave. C'est choisir aussi, c'est savoir se tromper, et c'est ce qui va permettre par la suite de pouvoir effectivement construire un cheminement de décision qui est extrêmement important et qui va permettre aux uns et aux autres de se construire. Évidemment, après, on différencie dans les choix de court terme, les choix mineurs et les choix majeurs. On ne peut pas avoir le même processus de décision quand vous avez des petits choix mineurs à faire ou quand vous avez des choix vitaux et majeurs. Évidemment, Isabelle a parlé de l'inconscient. Freud dit la même chose. Il dit c'est des choix, si c'est des choix importants et vitaux, bah, il faut faire appel à l'inconscient, parce que notre cerveau n'est pas capable de gérer la complexité des choix vitaux. Il n'est pas capable d'avoir cette vision globale qui fait rentrer plein de paramètres en jeu. Et donc, il faut faire appel à l'inconscient. Mais cet inconscient, cette intuition dont on parle, ne peut être bonne que lorsqu'elle se forge avec le temps et lorsqu'on accepte à un moment ou à un autre de renoncer et de choisir et de se tromper. C'est même un exercice indispensable pour pouvoir, à un moment ou à un autre, faire les bons choix. Alors, justement, très intéressant que vous vous appuyez sur cet aspect-là, c'est que les chances de se tromper existent, et heureusement. Et heureusement, sinon, pas de choix très intéressant s'il n'y a aucune possibilité, ben, finalement, de ne pas faire exactement ce qu'il fallait faire, mais parce que ça fait partie, sinon on ne prend aucun risque. On reste assis là où on était avant. Il y a un autre aspect qui m'intéresse dans votre histoire, c'est qu'évidemment, vous avez choisi vous-même, mais il a bien fallu que vous convainquiez des personnes de changer de vie aussi pour venir vous rejoindre. Des étudiants, de venir s'inscrire dans cette nouvelle école qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc, il y a un moment, non seulement je choisis pour moi-même en renonçant à une carrière de footballeur, à autre chose, à la sécurité, au salaire, ou je ne sais pas quoi. Mais comment être suffisamment convaincu pour être convaincant? Ce qui compte dans un choix, ce n'est pas le choix lui-même, c'est l'engagement qu'on y met. C'est l'énergie qu'on y met. C'est les convictions qu'il y a derrière. Peu importe le choix que vous allez faire, si vous y mettez de l'engagement, si vous y mettez beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir le réussir, il n'y a aucun problème. Et par rapport à ce que vous dites, il y a une étude super intéressante, scientifique, qui prouve, ils ont demandé à plusieurs milliers de personnes de se rappeler de ce qu'ils regrettent le plus dans leur vie. 75% des gens regrettent des choses qu'ils n'ont pas faites. Seulement 25% regrettent des choses qu'ils ont faites. Donc si vous choisissez, vous avez trois fois plus de chances de regretter. Alors que si vous ne choisissez pas, vous avez beaucoup plus, évidemment, de probabilités de vous retrouver un jour avec un regret. Donc, il faut un moment choisir. Et puis, il faut tout faire pour pouvoir réussir. Mais ça ne passe que lorsqu'il y a
des convictions derrière que lorsqu'il y a une cohérence sur le long terme. Parce que les choix de court terme, à la limite, n'ont pas de signification, sauf si elles sont liées à un choix qui est plus de long terme. C'est la cohérence qui compte. Quand on demande à un recruteur aujourd'hui pour des jeunes, qu'est-ce qui compte lorsque vous recrutez un jeune diplômé, il ne dit pas son choix à tel ou tel endroit. Il dit, est-ce que l'ensemble des choix qu'il a fait sur les dernières années sont cohérentes? Et par rapport à quoi il a fait ces choix-là? C'est la justification du choix qui compte et l'énergie qu'on y met beaucoup plus que le résultat lui-même. Très bien. Okay. Alors, Bénédicte Thillois, vous allez nous raconter, vous, votre choix très différent et néanmoins assez radical. Oui, alors si vous êtes d'accord, je voudrais rebondir juste sur ce qu'a dit Isabelle au départ, quand elle a dit, en fait, on est des personnes qui habitons des fonctions. Et dans ma vie à la SNCF, j'ai passé 6 ans avec une population que vous connaissez bien, qui n'est pas toujours aimée, c'est les contrôleurs de train. Et alors, avec les contrôleurs de train, la question était souvent de... quand j'endosse l'uniforme de contrôleur, est-ce que je reste moi-même ou est-ce que, d'une certaine manière, je disparais en tant que personne derrière l'uniforme que je porte et qui représente la SNCF? Et donc, en fait, la réponse n'était pas simple parce qu'elle était... Bah, évidemment, je suis la SNCF, je suis un agent de la SNCF. Et donc, ce que va faire Marcel ou ce que va faire Mohamed, finalement... Ça doit être cohérent et la même chose parce que tous les deux représentent l'entreprise. Et en même temps, pour bien faire mon travail, j'ai besoin de me sentir cohérent en tant que Marcel et en tant que Mohamed et avoir compris en quoi ce qu'on me demande donne du sens à mon travail quotidien. Et on a eu beaucoup, beaucoup d'échanges sur ce sujet parce que c'était à une période où il y avait beaucoup d'agressions dans les trains. C'était dans les années, tout au début des années 2000. Il y avait eu des changements dans les uniformes, ils voulaient plus porter la casquette. Et donc on a été amené en fait à vraiment se poser ces questions de qui je suis quand j'exerce ce métier, est-ce que je suis toujours moi ou est-ce que je suis le représentant de l'entreprise? Et du coup, je me suis moi-même posé ces questions parce que finalement chacun dans son travail se pose aussi ces questions. Qui je suis quand je dirige Transilien? Est-ce que je suis en charge de des millions de voyageurs qui prennent le train tous les jours, ou est-ce que je suis aussi Bénédicte Thillois qui, par ses convictions et ses valeurs, décide de faire telle ou telle chose qui va avoir une influence sur la vie des gens qui prennent le train au quotidien? Bref, j'ai eu l'occasion le terme qui me vient, c'est disserter un peu comme ça avec mes collaborateurs. Et puis, bon, pour aller vite à la question que vous me posez, Sophie, il se trouve que de fil en aiguille, me retrouvant un jour membre du comité exécutif de la SNCF, vous savez, dans les grandes institutions, il y a parfois des réorganisations qui ont lieu. Et toujours est-il que pour appeler un chat, j'avais un poste, on m'a prié gentiment de le laisser à quelqu'un d'autre, ce qui s'appelle se faire débarquer. Et quand on se fait débarquer dans une grande institution comme la SNCF, dans laquelle on a été considéré, quand on a confiance en vous, on ne vous dit pas de partir, on vous propose un autre poste. Et alors là, je me suis confrontée à un vrai choix personnel, c'est que toute ma vie, j'avais expliqué à tous mes collaborateurs que c'était très important d'être la personne qu'on était dans la fonction qu'on habitait et de ne jamais renoncer à la cohérence de qui on était. Et que pour moi, ce qui était important, c'était d'être courageuse et exemplaire. Et là, le courage, en fait, très clairement, c'était de ne pas accepter le poste qu'on me proposait, mais c'est de me barrer, pour dire les choses. Sauf que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire renoncer à un statut, renoncer à une rémunération, et renoncer à une certaine capacité de pouvoir et d'impact sur les choses. Parce que quand on dirige une activité comme les trains de banlieue, on a un vrai impact sur les choses. Et je me suis dit que si je restais quand même sur un autre poste, je ne serais plus la même, je deviendrais aigrie, je me mettrais à critiquer ceux qui auraient exercé cette mission après moi, et qu'en fait, je donnerais un très mauvais exemple et que je serais le contraire de ceux que j'avais toujours, un peu
critiquer moi-même en disant il faut être cohérent dans ses choix. Et donc j'ai pris la décision de partir. Et du coup, la question, c'est quand on part pour faire quoi ? C'est-à-dire, on renonce effectivement à tout ça, mais ça n'a de sens de renoncer que si c'est pour faire des choses qui vous grandissent quand même, c'est-à-dire qui développent cette partie importante en vous que vous souhaitez en fait mettre en valeur. Et donc, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que tu cherchais à faire depuis si longtemps et que le temps ne te donnait plus l'occasion de faire ? Et comme j'étais intéressée par les questions d'innovation, par les questions du numérique et par les questions d'éducation, je me suis dit que c'était intéressant en fait, de me faire embaucher dans une start-up en n'ayant aucun titre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait trois grands changements à la fois. Le premier changement, je viens de le dire, je suis passée de reine d'Angleterre à petit sujet dans une start-up. Hein. Je crois que j'ai dû dégringoler l'équivalent de six rangs hiérarchiques dans une organisation. Je me suis retrouvée femme de 55 ans au milieu d'un collectif de millennials qui avaient tous à peu près l'âge de mes gosses. Très honnêtement, ça a été, j'ai pris très cher pour dire les choses avec leurs mots. Et le troisième sujet, c'est changer complètement la culture d'entreprise, c'est-à-dire passer de la grande institution très reliée à l'État qui travaille sur un immense périmètre à une petite start-up qui avait certes des grandes ambitions de transformer le monde, mais qui pour le moment, en fait, était encore très modeste dans sa façon de le faire. Voilà. Et puisqu'on est sur la question des choix et des conséquences des choix, à la fois, je ne l'ai jamais regretté, et aujourd'hui, je suis hyper contente de tout ce que j'ai appris, mais les premiers mois et les premiers mois de cette décision, je les ai mesurés, je ne vais pas dire tous les jours, mais j'ai réalisé ce que c'était que perdre des choses, renoncer à des choses, et que c'était ça qui donnait de la grandeur à l'apprentissage qu'on faisait par ailleurs. Voilà. Et j'étais extrêmement fière d'avoir appris à 55 ans, des tas de choses que vous savez déjà et que sans doute vous avez appris avant même de savoir lire, mais qui étaient pour moi si compliquées. Tous les outils numériques associés à l'innovation, j'ai dû me taper aussi les Pokémon, hein, il a fallu que je les apprenne tous, parce que tout était gamifié dans la boîte et que rien ne me parlait. Je trouve que c'est pas modeste, mais j'ai l'impression d'avoir appris l'humilité, c'est-à-dire de réapprendre à n'être personne d'autre qu'une parmi les autres. Voilà. Et je pense que c'est important, quand on a été dirigeant, de réapprendre à être une parmi les autres, parce que c'est là qu'on mesure les blessures d'ego qu'on fait supporter aux personnes. C'est là qu'on mesure le mépris que peuvent ressentir certaines personnes quand ils sont face à des gens de pouvoir. Ça remet en fait un certain nombre de pendules à l'heure, et personnellement je trouve que c'est très utile, et ça m'est très utile aujourd'hui, maintenant que je réexerce des fonctions de direction, de les avoir, d'être passée par cette période qui a été une période absolument fantastique dans ma vie, mais on y reviendra sans doute après. Merci. Écoutez, on a appris des choses sur ce que c'est qu'une très grande entreprise. J'aurais presque envie que vous disiez aux jeunes personnes qui sont devant nous ce que c'est qu'un COMEX. Je ne suis pas sûre que tous le sachent. Le comité exécutif d'une entreprise, c'est son organe de décision exécutive, c'est-à-dire c'est l'ensemble des directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints qui sont sous l'autorité du président de l'entreprise. Donc, c'est le lieu du pouvoir. C'est le lieu du pouvoir. Et de la décision. Oui, enfin, il n'y a pas de pouvoir plus absolu dans une organisation que le comité exécutif d'une entreprise. Et au-dessus de vous, il y a le président de l'entreprise. Et dans une entreprise publique, au-dessus de lui, il y a le ministre en charge, en fait, de l'activité, en l'occurrence, le ministre de l'Environnement ou des Transports. Merci beaucoup. Alors, je me tourne maintenant vers Isabelle, qui là va intervenir aussi pour raconter son propre parcours, parce qu'elle aussi, elle en a fait des choix. Et ce n'est pas parce qu'elle était experte de la question en tant que chercheuse en sciences du management que c'était forcément plus facile. Oui, alors je ne sais pas si je vais raconter mon parcours, mais je trouve que
quand on est lycéen, quand on est étudiant, moi, j'aurais aimé qu'on raconte des choses comme ça. Et je trouve que ce que Tawhid et Bénédicte nous racontent, c'est extrêmement précieux. Parce que les cours, c'est toujours quelque chose de complètement linéaire. Et on oublie de vous parler de l'échec. On oublie de vous parler de tout ce qui rate. Et on le met souvent sous le tapis. Et je crois que quand on voyage à l'étranger, on parle beaucoup des États-Unis, mais c'est vrai dans d'autres pays, d'autres cultures, échouer, c'est pas un mauvais, c'est pas un vilain mot. Rater, c'est au contraire l'occasion d'apprendre. Et c'est vrai que les chefs d'entreprise aux États-Unis, pour obtenir des prêts, des banques, bah, il faut qu'ils aient au moins échoué une fois, parce que là, on a l'impression qu'ils ont, ils sont tannés de cuir. Et là, je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on sache mieux vous communiquer, que vous n'ayez pas l'impression qu'il faut tout le temps tout réussir, tout le temps, souvent autour de modèles qui n'existent pas, et que vous avez droit à votre propre chemin et vos propres écueils. La deuxième chose que j'ai entendue là, dans ces deux témoignages, et que j'ai trouvé très intéressant, et dont on ne parle pas assez, c'est ses propres valeurs. Et en effet, moi, mes choix de carrière, plus professionnels, mais c'est un moment aussi, et personnel aussi, c'est un moment où il n'y a plus d'alignement. C'est, je crois, ce qu'a dit Tawhid, et j'ai connu exactement la même chose, et puis Bénédicte, entre mes valeurs, ce en quoi je crois profondément, et la gouvernance, on va dire la gouvernance de mon entreprise. Alors c'est un fonds de pension qui arrive et puis qui change tout. C'est une nouvelle politique de transport, c'est je ne sais pas. Et là, on se dit, mais on est mal, quoi. On est mal. On croyait à certaines choses, on avait envie de les porter, et puis là, quelque chose se passe, qui se casse. Et on rentre le soir, on a bossé comme des fous, parce qu'en effet, on adore travailler, c'est un engagement. Et on se dit, mais pourquoi, quoi ? Quel sens ça a ? Et si j'en viens à mon témoignage, moi, ça s'est passé comme tout le monde, pendant le confinement. C'est-à-dire que j'avais eu des signes avant-coureurs de choses qui ne me convenaient pas dans la façon dont on me demandait de travailler. J'avais là aussi un poste plus que confortable et plus qu'agréable. Et pendant le confinement, comme beaucoup de gens, je ne sais pas si vous avez regardé les statistiques du nombre de gens qui ont changé de métier, le taux de divorce ou de séparation dans les couples, les déménagements qui ont eu lieu ou qui ont lieu, ben je me suis retrouvée comme tout le monde à dire, mais est-ce que ça a du sens ce que je fais ? Est-ce que ces budgets, ces tableurs Excel que je remplis, ça a du sens ? Est-ce que ces réunions qui s'enchaînent pendant des heures, en plus en distanciel, ça a du sens ? Est-ce que ce qu'on me demande d'avoir comme objectif, eh ben, c'en avait certainement hein, pour la gouvernance, c'en avait certainement pour certains de mes collègues du COMEX, mais ça n'avait plus du tout pour moi. Et c'est vrai qu'il y a un moment, ben, il faut renoncer, enfin, c'est le choix que j'ai fait en tout cas, à quelque chose qui était tracé et qui pouvait être simple, à quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, mais qui, en effet, donne le sentiment d'une liberté. Et je crois que le jour où j'ai conclu ben, ce départ, où je l'ai décidé, j'ai eu, mais peut-être que Bénédicte et Tawhid ont eu la même impression, le sentiment d'un poids qui s'enlève des épaules et se dire, en effet, ben, je renonce à être quelqu'un qui n'était pas moi et je me retrouve moi, tel que je me voyais et tel que j'ai envie d'être. Alors, voilà. Et je crois que c'est quelque chose qu'il aurait fallu, qu'il faudrait qu'on dise plus quand on fait des études ou quand on fait ses études, parce que c'est tellement, tellement important pour construire sa vie. Alors, sa vie professionnelle, je resterai plus là, parce que c'est, mais aussi sa vie personnelle. On reste quelquefois en couple pour des très mauvaises raisons, des raisons d'argent, des raisons là aussi de confort, des raisons du regard des autres. Et on souffre, on est malheureux, on est en décalage. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. Et je terminerai mon temps de petite parole du moment par quelque chose qui m'a surpris aujourd'hui. J'ai écouté plusieurs tables rondes et j'ai vu que des gens qui parlaient du futur avec leurs actions possibles sur le futur. Et avec, en effet, ce qu'on a un petit peu dit, la gestion des risques. On va gérer des risques, on va planifier, on va faire de la prospective, on va faire des scénarios. Et je me suis dit, c'est peut-être immodeste de ma part, mais ils n'ont rien appris. Ils n'ont pas appris qu'une toute petite bestiole qui s'appelle un virus peut changer complètement la vie de milliards de personnes sur la planète. Et c'est quelque chose d'imprévisible.
Et c'est vrai que je pense qu'on devrait beaucoup plus tirer d'enseignement de ce qui s'est passé par rapport à nos choix futurs, de se dire que constamment, l'imprévisible est possible et qu'on ne peut pas constamment voir le futur comme une zone de risque plus ou moins important à prendre, mais bien comme quelque chose qui a un avenir à accueillir. J'adore cette phrase de Christian Bobin qui dit « Ne rien attendre sauf l'inattendu, ne rien prévoir sauf l'imprévisible. » Et je fais vraiment la différence entre des choix pour construire son futur et une capacité à accueillir l'avenir, un avenir qui n'est peut-être pas du tout celui qu'on avait envisagé. Merci. Alors, moi, Isabelle, Barthes, je suis frappée du nombre de gens qui, à Paris, ont fait des choix pendant le Covid, dont on voit maintenant les résultats. On vient de constater qu'il y a 6000 élèves qui manquent, si on peut dire, par rapport à l'année avant le Covid, dans les écoles parisiennes. 6000. C'est-à-dire que chaque année, il y avait à peu près 1500 élèves de moins parce que Paris est cher, les familles, pour avoir des appartements ou des maisons un peu plus grandes, quittaient Paris intramuros pour aller en banlieue. Mais là, 6000, ça veut dire que c'est autant de familles, ou peut-être un peu moins s'il y a deux enfants par famille, mais qui ont fait des choix et qui ont renoncé à ce qu'offre quand même la capitale. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est un endroit où tout se passe, où tout se décide, où sont les offres culturelles les plus riches et les commodités en termes de santé, de transport les plus denses. Mais en tout cas, des gens ont fait ce choix-là. Et c'est assez intéressant de voir que ces moments-là, ces moments de déstabilisation profonde sont aussi ceux où les personnes et les familles font des choix qui sont très déterminants pour leur vie, sans doute pour leur profession également. Et donc, alors voilà, je vais me retourner vers nos autres interlocuteurs, parce que pour savoir si vous voulez rebondir sur ce que disait Isabelle. Oui, tout à fait. Je vais rajouter juste trois variables importantes lorsqu'on fait un choix, extrêmement importantes. D'abord, on ne choisit pas de vouloir avoir, on choisit de vouloir devenir. C'est très, très important. Quand on est face à une bifurcation, puisque c'est le thème, on ne choisit pas la rue parce que celui qui nous précède a choisi la rue ou parce qu'elle est plus jolie. On choisit la rue parce qu'on a fixé une destination et on sait que c'est ce qui va nous mener à notre destination. C'est extrêmement important. Construire les décisions et les choix en fonction de ce qu'on veut devenir et pas forcément en fonction de ce qu'on veut avoir. La deuxième chose, c'est le sens du timing. Un choix, c'est un timing. Un choix qu'on prend aujourd'hui peut être différent demain dans un timing différent. Parce que les circonstances, parce que la phase de vie fait qu'à un moment, on privilégie l'aspect personnel plutôt que l'aspect professionnel ou l'inverse. Donc, il faut savoir aussi prendre en considération les circonstances, les gens qui nous entourent, le timing, la phase de vie, pour pouvoir faire des choix qui maintiennent un certain équilibre. Et la troisième variable, c'est de ne pas faire des choix extrêmes, brutaux. Il faut toujours garder un équilibre dans la vie. Passer du blanc au noir ou l'inverse, c'est toujours très compliqué. Si on fait des choix dans la vie professionnelle, il faut trouver un équilibre peut-être sur les autres aspects et vice-versa. Si vous ne maintenez pas cet équilibre-là, ça veut dire que sur le long terme, à un moment ou à un autre, on ne va pas pouvoir, ou les choix, ou leur renonciation qu'on va accepter de faire, elle va être déséquilibrante et elle ne va pas vous permettre de continuer à tracer votre chemin. Donc, il y a plusieurs variables à prendre en considération et qui sont déterminantes aussi pour pouvoir assurer, en tout cas, ce devenir-là et ces choix et cette acceptation de la renonciation. Alors, moi, j'aime bien l'humilité qu'il y a dans ce que vient de dire Tawich Tiwi, c'est-à-dire, on n'est pas tout seul, en fait. Hein. Personne, c'est vrai que la façon dont on pose ça, c'est-à-dire choisir, renoncer, mais c'est rare qu'on fasse un choix solitaire, isolé. Sans doute, à la fin des fins, doit-on se résoudre dans son fort intérieur, mais on consulte, on pose la question, on demande à la famille, aux enfants, aux amis. On ne choisit quand même pas tout à fait tout seul. Bénédicte Thioua, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il faut remercier les gens avec lesquels on travaille ou avec lesquels on vit, parce que c'est sans doute aussi grâce à eux qu'on peut se mettre un peu en danger, parce qu'en fait, ils nous apportent une zone de sécurité ou une zone de confort, parce que tout ne peut pas être en danger, comme tu viens de le dire. Je pense que ce qui est important, ça a été très bien dit, et moi, je fais vraiment mienne cette
cette phrase, c'est en fait construire sa cohérence. Et on n'est pas cohérent quand on est dans les extrêmes. On est cohérent quand on suit son fil. Et en fait, son fil, on apprend à le ressentir. En fait, il s'impose à soi d'une certaine manière. Et donc, c'est pas si difficile en réalité. C'est-à-dire, on n'est pas toute la nuit à se demander qu'est-ce qu'on va faire, plusieurs nuits d'affilée. Moi, j'ai pas eu cette impression-là. J'ai eu l'impression que les choses étaient plus naturelles. Et après, il fallait les assumer et les assumer dans la durée. Et je pense que après, je trouve qui est très important, c'est en fait la capacité d'apprendre en toutes circonstances, parce que par rapport à l'imprévisibilité et l'incertitude dont parlait Isabelle, à partir du moment où on sait apprendre, on est tranquille d'une certaine manière. Puisque toutes les situations qui se présentent à nous, quand bien même on ne sait pas très bien en fait comment on va s'y prendre, on peut faire confiance à sa capacité d'apprentissage. Et du coup, ça nous rend, alors le mot qui est à la mode en ce moment, c'est résilient, mais ça va même au-delà, c'est quasiment antifragile. Et parfois, ça va même encore plus loin, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver amusant presque de se reconfronter à un univers encore inconnu parce qu'on l'a appréhendé une première fois. Et Solzhenitsyn disait, quand on a fait deux métiers, on est capable d'en faire une infinité. Et je pense que c'est assez juste, en fait. Quand on s'est mis en danger une première fois et qu'on a réussi à passer, ça donne une confiance en soi qui est importante pour franchir en fait d'autres étapes à d'autres moments de sa vie professionnelle. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression d'avoir une capacité d'élan et d'enthousiasme à faire les choses qui est bien plus importante que celle que je pouvais avoir il y a encore 5 ans, alors que j'avais pas mal de galons, un gros budget de fonctionnement et une capacité à décrocher mon téléphone et à avoir des gens au téléphone qui pesaient dans la société française. Donc vous avez déposé du pouvoir, du poids social, et vous êtes retrouvée allégée d'une certaine façon. Oui, et plus forte par moi-même en fait aussi, et plus en confiance et plus en conviction, et peut-être du coup avec plus d'impact, j'ai l'impression. Vous pouvez nous dire en un mot ce que faisait cette start-up? C'était un incubateur. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans dans un incubateur. J'en suis sortie et ensuite j'ai monté 2 boîtes. Et si on m'avait dit que j'aurais monté 2 boîtes, moi aussi je les ai lancées au moment du confinement, c'est-à-dire en mars 2020, jamais j'aurais imaginé être capable de ça. Et je l'ai fait et ça marche. Elle marche bien. Elle marche bien. Ouais. D'accord. Ben voilà, c'est une bonne conclusion de cet happy end, sans que ce soit encore une end. Ça, ce n'est pas encore une fin. C'est happy, mais c'est pas end. Voilà, c'est ça. Ça dépend. Isabelle Barthou. Moi, je voulais parler d'une étude que j'ai menée l'an dernier sur les prises de décision en entreprise. Donc, j'ai interrogé ça fait plusieurs centaines de managers sur les décisions qu'ils avaient eu à prendre dans leur vie. Alors, je les interrogeais sur leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Alors d'abord, ce qui m'a étonnée, c'est que beaucoup, en effet, jamais des choix n'ont été solitaires. L'importance des parents dans leur choix professionnel, leur choix d'études, et ensuite l'importance chaque fois du compagnon, de la compagne, qui les a aidés, qui les a confortés, ou au contraire, les a peut-être orientés vers quelque chose où ils ont renoncé. Ce qui m'a étonnée aussi, c'est que sur vraiment l'ensemble de l'étude, il y a peu de regrets. Et en effet, on a l'impression que les personnes sont capables, comme tu dis, Bénédicte, d'apprendre et tirent des enseignements de quelque chose qui n'était peut-être pas ce qu'ils avaient envisagé de leur vie au départ. Je n'ai pas été footballeur, mais j'ai eu une belle vie de directeur d'école, par exemple. Par contre, en tant que manager, tous, mais alors à 100%, la décision la pire chaque fois qu'ils citent, c'est d'avoir eu à licencier quelqu'un. Et chaque fois, ce qui revient, c'est le jour où ils ont dû prendre quelqu'un entre 4 yeux en tant que manager et lui dire, écoutez, voilà, je ne peux pas vous garder pour des raisons. Et ils expliquent comment, et là aussi c'est intéressant, c'est que même si c'est de la zone professionnelle, eh bien ça les a empêchés de dormir, ça les a alors, fait mal au ventre pendant plusieurs jours, comment ils ont peut-être pas su mener la décision correctement parce qu'elle leur faisait peur, parce qu'on leur avait pas appris, parce que c'était trop difficile, une forme de déni ou d'évitement. Et alors ça m'a frappée parce que on prend des décisions. Moi, j'avais des managers, vous voyez, des directeurs commerciaux, qui n'étaient pas forcément tous des top dirigeants, mais des gens qui avaient, comme tu dis, des budgets, des équipes.
Et souvent, on a des zones d'investissement à faire, on a des choix de recrutement, on a des choix. Eh bien, c'était toujours, toujours la décision de licenciement, comme quoi, une fois de plus, l'humain est tellement important, même si c'est une bonne décision de se séparer de quelqu'un parce qu'il n'est pas au top, parce qu'il n'a pas sa place dans l'entreprise, parce que bah, peut-être l'entreprise va mal, etc. Et jamais ils ont dit que c'était une mauvaise décision, mais la façon dont les répercussions, le sentiment d'impact les avaient chaque fois frappés. Et ça, ça m'a vraiment interpellée. Et pourtant, ça fait partie du métier, parce que si on est incapable de dire à un moment dans cette équipe, bah, il va falloir qu'on soit moins nombreux, parce que c'est ailleurs que ça se développe, ou bien effectivement, si on peut, on doit choisir quelqu'un à embaucher, il y a forcément un moment où on doit choisir aussi quelqu'un à faire partir. Je peux vous dire que j'ai dirigé deux écoles de management, j'ai beaucoup enseigné le management. On n'apprend déjà pas, il n'y a pas déjà pas beaucoup de cours de management véritablement. On apprend éventuellement les techniques d'entretien, d'évaluation, les techniques de recrutement, beaucoup. Mais je n'ai jamais eu beaucoup d'épisodes ou de témoignages où on avait appris, même en théorie, comment on se séparait de quelqu'un. Vous savez, il y a beaucoup d'ombres dans les organisations. On termine notre échange sur cette tonalité un petit peu mi-figue, mi-raisin, mais c'est peut-être comme ça qu'on aura des questions. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, apporter un témoignage sur ce qui nous a été dit? Non, ne soyez pas timide, monsieur. Merci. Je trouve très intéressant tous ces témoignages. J'espère que c'est intéressant pour les jeunes, mais ça devrait l'être, je pense. Il y a un point juste. J'ai un peu tiqué. C'est quand vous avez dit, bah oui, je me suis aperçu que tout le monde dit, fait des scénarios, fait des plans. Je pense quand même, faut pas non plus être trop négatif là-dessus. C'est quand même bien, je pense, de s'imaginer le futur. Alors, effectivement, faut pas dire le futur sera comme ça, mais d'imaginer le futur, parce que je pense que si on n'imagine pas le futur, on a un peu du mal dans ce cas-là à progresser. On finit par être assez fataliste. À la limite, on baisse les bras, on abandonne. On se dit voilà. Donc je me permettais juste de corriger ce point pour qu'il soit. Je pense que c'est pas ce que vous vouliez dire, mais c'était pour que le public, je pense, ne se méprenne pas sur votre propos. Non, j'étais évidemment pas dans la déconstruction de tout, mais dans l'idée de garder un tout petit peu de distance critique par rapport à tout ça et à garder une grande dose d'humilité et du petit pas de côté qui fait dire et si. Et je pense qu'en effet, s'il y avait eu plus, parce que j'ai pas mal été au contact d'entreprises pendant le confinement depuis des mois, celles qui ont le mieux résisté, c'était justement cette capacité à faire un pas de côté, à dire et si, et ne pas être enfermées dans des tunnels prédictifs que nous donnent souvent les tableurs Excel. Mais vous avez raison. Tout jeter. Justement, je pense que c'est important aussi de retenir que dans un choix, il n'y a pas que A ou B. Un choix, ça peut être ni A ni B, ça peut être C, ça peut être D, justement. Il faut ouvrir dans ses choix. Il ne faut pas rester dans une logique très restrictive où on suit ce qu'ont dit les pères, ce qu'a dit tel ou tel. On est dans un monde qui se transforme à une vitesse incroyable. On dit aujourd'hui, il faut choisir en dehors des box. Out of the box, c'est plus out of the box, c'est without the box aujourd'hui. Ce qu'on a choisi, nous, c'est d'arrêter de benchmarker. Parce que benchmarker, c'est reproduire les pratiques du passé. Et il faut essayer de s'ouvrir sur des perspectives qui n'existent pas et qui ne sont pas des choix a priori pour essayer d'inventer son propre choix. Ouvrez, ne restez pas uniquement dans les possibilités. Dans un temps de stabilité, de reproduction, évidemment, c'est intéressant, on prend les alternatives, on regarde ce qui fait et on choisit. Dans un temps où le monde se transforme à une vitesse incroyable, c'est un monde without the box, c'est un monde où il faut ouvrir et trouver des nouvelles alternatives. Et en termes de métier, Tawid, avec l'arrivée de l'intelligence, enfin le développement, déjà arrivée de l'intelligence artificielle, on ne cherche plus des personnes qui sont capables de mouliner des scénarios. On cherche des décideurs, des analystes, l'information et l'aide à la décision est là. Mais c'est vrai, ça va être des décideurs maintenant qui vont... Absolument. Des décideurs où la seule certitude, c'est l'incertitude et la seule constance, c'est le changement. Alors, si vous permettez, en tant que femme qui a mené une carrière professionnelle, enfin, j'ai été 18 ans dans le groupe Le Monde comme journaliste, j'étais rédactrice en chef de ce journal.
fonction à laquelle j'ai renoncé un beau jour très rapidement parce qu'on me proposait une aventure humaine et intellectuelle qui me plaisait. Donc on peut faire ça aussi. Mais l'une des choses à laquelle je n'ai pas renoncé, c'est à avoir des enfants et à les élever tout en ayant une carrière difficile. Je ne peux pas dire que j'aurais réussi si j'avais été toute seule, si mon mari n'avait pas joué le jeu et si nos parents respectifs n'avaient pas donné un sacré coup de main. Donc, je veux dire, là, le choix, il était facilité par le fait qu'il y avait des familles autour. Mais en tout cas, si on vous dit bah, faut choisir entre la famille et la carrière, moi, je suis l'exemple vivant et Isabelle Barthes encore plus. On peut faire les deux, c'est pas facile, mais c'est certainement une chose à laquelle il ne convient pas de renoncer, parce que finalement, pourquoi, Isabelle, là-dessus, sur je pense que c'est vrai que ça impacte plus encore les femmes que les hommes, même si on a toujours le petit espoir que la charge parentale soit un jour beaucoup mieux répartie. Mais c'est vrai que ça, toutes les jeunes femmes dans la salle. Oui, il ne faut jamais, il n'y a pas de choix entre la carrière professionnelle et la vie familiale à avoir. Et au contraire, enfin, moi, je pense que le temps, si on fait un rapport au temps, n'est pas un temps avec des vases communicants. Tout ce que je ne passe pas avec ma famille, je le passe au travail et vice-versa. Il faut le voir comme un temps augmenté. Plus on fait des choses extraordinaires avec des enfants et plus ou sa vie de famille ou sa vie personnelle, plus on est riche pour sa vie professionnelle et vice-versa. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Bénédicte aussi. Oui, moi j'ai été très soulagée quand mes enfants qui sont grands maintenant, j'ai trois garçons qui ont respectivement 30, 29 et 25 ans, quand ils m'ont dit qu'ils avaient été très fiers d'avoir une maman qui avait des responsabilités. Et ça m'a quand même pas mal soulagée d'entendre ça. Je trouve que, oui, enfin, évidemment qu'il faut encourager. Parce qu'en fait, on a besoin de... on en parle beaucoup, on a besoin de diversité, mais la diversité, elle s'exprime aussi dans les vies personnelles. Et on a besoin que les vies personnelles nourrissent les vies professionnelles. Parce que sinon, en fait, il n'y a pas de respiration, en fait. Ça sera peut-être le mot de la fin, parce que voilà, nous sommes. On pourrait continuer comme toutes les sessions où on parle de soi-même, de philosophie, de concepts. On pourrait continuer longtemps, mais je pense que vous restez sur une impression positive. Améliorez-vous pour faire des meilleurs choix. Ne renoncez à rien qui est essentiel pour vous. Et puis bonne chance. Merci.